Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Excellent début de semaine à tous. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Les principaux titres. Lancement à Tanger du protocole territorial de prise en charge des femmes victimes de violences. 85 centres d'écoute et d'accompagnement de ces femmes devraient être déployés à travers le royaume d'ici la fin de cette année. Une importante délégation d'hommes d'affaires des Pays Basques est à Rabat pour prospecter les opportunités d'investissement, y compris dans le Sahara marocain, dans la pêche maritime, de l'industrie halieutique et du football. Le périple les mènera jusqu'à Alguerguerette. Ils sont plusieurs conteurs à célébrer ce patrimoine immatériel et oral qu'est le conte. Partie de la ville d'Oujda, la caravane est empreinte d'une forte charge symbolique. Nous découvrirons tout cela en fin de journée. La présidence du ministère public a lancé aujourd'hui à Tanger le protocole territorial de prise en charge des femmes victimes de violences dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Marrakech pour mettre fin à la violence contre les femmes. Déclaration signée, rappelons-le, le 8 mars 2020 lors d'une cérémonie présidée par Son Altesse Royale, la princesse Leila Meryem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc. Samira Asban, Mohamed Etelchkar. C'était le 8 mars de l'année dernière. Son Altesse Royale, la princesse Leila Meryem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, présidait au palais Bahia de la ville Ocre la signature de la déclaration de Marrakech pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Un an et quelques jours plus tard, les institutions et départements ministériels engagés dans cet ambitieux chantier se retrouvent à Tanger. C'est pour que Tanger devienne le modèle premier de mise en œuvre du protocole qui avait été signé sous la présidence de Son Altesse Royale, la princesse Leila Meryem, en 2020. Nous aspirons à ce que la mise en œuvre de ce protocole à Tanger et dans la région soit de bon augure pour la généralisation du protocole aux autres régions. Et pour généraliser ce protocole de lutte contre les violences faites aux femmes, des infrastructures d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des victimes sont progressivement ouvertes dans divers centres urbains et ruraux. Nous avons déjà 65 espaces prêts à recevoir les femmes victimes de violences et à leur offrir l'écoute, l'orientation et l'accompagnement nécessaires. Et nous sommes en train d'équiper, dans le cadre d'accord avec l'entraide nationale, 25 autres espaces d'accueil et d'écoute. Nous devrions déployer d'ici la fin de l'année 85 espaces au total. La déclaration de Marrakech comporte un ensemble d'engagements de pas moins de 7 institutions, dont plusieurs départements ministériels, le ministère public et la AKA, pour des actions concrètes sur les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences. Vie parlementaire, la Chambre des représentants a approuvé aujourd'hui à l'unanimité le projet de loi cadre relatif à la protection sociale. Une réforme sociétale d'envergure qui constitue une véritable révolution sociale et un tournant décisif dans le processus de réforme de la protection sociale dans le Royaume. Prolongation de 2 semaines à partir du mardi 16 mars à 21h des mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier pour lutter contre le nouveau coronavirus. Un communiqué du gouvernement précise que cette décision intervient sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Cette prolongation intervient également après l'évolution de cette pandémie au niveau mondial suite à l'apparition de nouvelles variantes du virus. Et à présent, ce cumul des vaccinations anti-Covid, 4 225 311 personnes ont reçu leur première injection, pendant que 1 767 472 autres ont reçu la deuxième.
Et pour ce qui est des indicateurs épidémiologiques, 159 nouveaux cas recensés, 10 décès, 277 nouvelles rémissions. Les cas actifs s'élèvent à 4237, les cas graves et critiques se chiffrent à 396, 26 sont sous intubation, 236 autres sont sous ventilation non invasive. Maroc-Espagne, à présent, une importante délégation d'hommes d'affaires du Pays Basque est au Maroc. La délégation est venue prospecter les opportunités d'investissement dans les domaines de la pêche maritime et de l'industrie halieutique, notamment pour ce qui est du secteur de la transformation et de la valorisation des produits de la pêche, y compris dans les provinces du Sahara marocain. Reportage, Nidal Boumhala, Nourdin Sabir, récit Mariam El-Messi. La pêche maritime, un secteur de prédilection pour le Pays Basque. Réunie aujourd'hui au ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, une importante délégation d'hommes d'affaires basques prospecte les opportunités d'investissement possibles sur ce créneau, l'un des plus exportateurs de l'économie nationale. C'est une réunion de prospection. Ils sont là pour voir quelles sont les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de la pêche. Et donc nous avons échangé sur toutes les opportunités et nous espérons que nous allons pouvoir conclure prochainement des projets concrets. Et les objectifs de cet encuentro est de tomber en contact avec le ministère de Pesca pour initier. Cette rencontre fait office de premier contact avec le département marocain de la pêche maritime. Nous sommes disposés à initier des relations commerciales entre l'Espagne et le Maroc. Nous irons à Laayoune et Dakhla explorer leur énorme potentiel dans le secteur de l'industrie de la pêche. Nous avons beaucoup de synergies entre cette zone de Marocos et le nord de l'Espagne. Pour amorcer cet échange d'expertise, nos provinces du Sud verront bientôt naître de nouveaux projets de partenariat. À la clé, la transformation des produits de la pêche et le recyclage du plastique issu de cette activité. Nous sommes prêts à coopérer avec le Maroc et à apprendre de son expérience. De belles synergies se créeront et se concrétiseront notamment par l'implantation au Maroc de nouvelles technologies en phase finale de production en Espagne. Autre facette de coopération entre les deux royaumes, le ballon rond signe le début d'un nouvel agenda de partenariat sous les auspices de la Fédération royale marocaine de football. Nous nous sommes réunis pour explorer les moyens de coopération possibles dans le domaine sportif, avec en perspective un échange d'expertise avec la Fédération royale marocaine de football. Des opportunités d'investissement qui devraient profiter aux hommes d'affaires et chefs d'entreprise marocains et espagnols. De quoi renforcer les liens d'entrepreneuriat entre les deux pays. Sachez également que la délégation espagnole a eu dans l'après-midi des entretiens avec le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lkja. Entretien axé sur la coopération et la formation de perfectionnement des arbitres marocains, notamment concernant l'utilisation du VAR. Les échanges ont également porté sur le développement et la professionnalisation du football féminin et sur l'organisation de matchs amicaux entre les équipes U17 et U20 des deux pays. Deux conventions relatives au programme national de constitution de coopératives agricoles nouvelle génération ont été signées aujourd'hui à Rabat, paraphées par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale. Les deux conventions visent à accompagner l'implantation de la nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-2030. 10 000 coopératives ont été créées durant la période 2015-2020, dépassant l'objectif initial du programme national de création de 10 000 coopératives agricoles pour atteindre un cumul de 25 700 coopératives à aujourd'hui. Et puis les perspectives d'une bonne campagne agricole commencent déjà à se faire sentir avec des précipitations assez importantes enregistrées depuis fin novembre dernier. La superficie semée de près de 4,2 millions d'hectares en céréales
auxquels s'ajoutent 56 000 hectares de maraîchage. Et puis ce taux de remplissage des barrages satisfaisant, il est de 48% en moyenne nationale, sachant que plusieurs barrages enregistrent des taux de remplissage à 100%. Le Rotary Club de Rabat célèbre la Journée internationale pour la paix. Cette année, cette célébration prend place dans un contexte particulier, la crise sanitaire du coronavirus, une situation pandémique qui impacte toute la planète et qui fédère toutes les énergies en vue d'en finir avec la pandémie. À Rabat, les Rotariens ont organisé plusieurs ateliers animés par le même esprit, celui de promouvoir la paix dans le monde. Farah Saf, Mohamed Nasseri et Imen Ablo. Un 116e anniversaire célébré autour de la paix mondiale. Dans le calendrier rotarien, cette période est synonyme de célébration de valeurs universelles. La tolérance, l'entente et le rapprochement des cultures. Cette année, nous avons placé la célébration de la Journée internationale de la paix dans un contexte de crise sanitaire. Toute la planète est en guerre contre le Covid-19. C'est de là que nous avons pensé à lancer un appel pour que l'ensemble des pays planchent ouvertement sur les solutions susceptibles d'asseoir les fondements d'un monde sans guerre. Une journée qui relie entre différentes pays, qui rassemble de différentes nationalités, et donc afin de parler de la globalisation, de l'environnement et de culture et civilisation. La paix, un facteur incontournable du développement. Dans une conjoncture de crise comme celle que le monde traverse à cause de la pandémie du coronavirus, la solidarité est plus que jamais sollicitée. La chaîne de l'entraide s'élargit en vue d'alléger les souffrances et prêter main forte à ceux qui en ont le plus besoin. L'objectif de cette réunion est de sortir avec des conclusions pour promouvoir la paix et l'entente mondiale. Nous allons demain avoir les conclusions de ces trois ateliers. Les trois ateliers abordent la partie économique avec la globalisation des économies, la partie environnement et sa relation avec la paix, et la troisième partie concerne l'immigration et la paix. Le débat s'enrichit pour la promotion de valeurs humaines fondamentales. Cultiver l'idéal et booster les bonnes volontés au service d'une même et unique noble cause, l'humanité. À présent, ce challenge sportif 100% féminin, il s'agit du Raid solidaire féminin Sahraouia, une 7e édition organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui réunit cette année des équipes venues des quatre coins du monde. Sahraouia, une manifestation sportive et solidaire. L'équipe Girls on Rose a remporté la deuxième étape du raid. La première étape a été remportée hier par l'équipe marocaine Les Athéna Mortar, Ria Bakar Dlimi et Oumaima Ramli. Sur leurs deux roues, elles se tiennent prêtes à affronter cette première journée de compétition. Des femmes venues de différentes régions du Maroc, mais également de pays africains et d'Europe, relevaient un même défi: être sacrée la Sahraouia de l'année. Pour cela, c'est un parcours de combattante qu'elle devra affronter sans jamais baisser les bras. Le parcours a des petits pièges. La piste en vélo, quand on arrive dans les bancs de sable, c'est dur et c'est là que où on passe, où on perd du temps, on se fatigue énormément. Mais il faut en garder pour la suite. Ensuite, la partie bootcamp était marrante. Et ensuite, reprendre le vélo pour revenir avec le vent de face, toujours pareil, c'est compliqué, il faut rien lâcher. C'était trop long. On a le sable, okay, mais on essaie. On essaie, on a travaillé. Mais maintenant, on a dit que c'est bon. Mais ça a été bon. Somme toute, une première journée laborieuse pour ces femmes. 10 km en VTT, du bootcamp, encore du VTT, avant de finir par un trail de nuit. Des épreuves bien trempées, mais pas de quoi décourager nos battantes qui se sont plus que dépassées. J'étais particulièrement surprise par la rapidité et par la ténacité des filles face à des épreuves bien plus que coriaces. Pour cette première journée, je tablais sur un temps idéal de 2 heures. Eh bien, dites-vous que nos gagnantes l'ont fait en 1 heure.
Et ces gagnantes ne sont autres que nos compatriotes marocaines Sana Al-Ghsir et Yousra Khiyati qui composent l'équipe marocaine Les Athénas. Un duo de mamans choc qui se battent corps et âme pour la scolarisation des jeunes filles, particulièrement en milieu rural. Car Sahraouia, c'est avant tout un raid de cœur. Autre aventure, c'est une caravane de conteurs qui entame un grand périple de Oujda vers le poste frontalier d'El Guerguéret. La caravane du conte est empreinte d'une forte charge symbolique. Partie de la capitale de l'Oriental, elle fera escale dans plusieurs villes du royaume, de Fès à Dakhla, avant de rejoindre le poste frontalier d'El Guerguéret. Une manière de célébrer le patrimoine immatériel oral qu'est le conte. Voyons tout cela dans ce reportage de Mohamed El-Bellaoui, Rachid El-Atabi, Mounia Marouch et le commentaire est de Oumey Marmli. Elle se réveille petit à petit de son hibernation. Cette halqa oujdi retrouve enfin sa magie d'avant Covid. Les conteurs réinvestissent enfin ces lieux. Des personnages jaillissent, des mots prennent corps et le public replonge dans ces histoires passionnantes qui se transmettent de génération en génération. J'exerce ce métier depuis 17 ans. J'ai animé plusieurs halqas au Maroc et à l'étranger. C'est ce qui nous permet de préserver, de transmettre et surtout de faire connaître ce patrimoine oral. Cette reprise est une renaissance pour tous les artistes qui exercent ici. Ils se préparent à faire leurs valises et à entamer une nouvelle tournée. Nous allons entamer un grand voyage d'Oujda vers le Guerguéret, l'occasion de découvrir les paysages fabuleux du désert marocain et de célébrer notre héritage qui est l'art de la halqa. Cette initiative vise à animer de nouveau les halqas qui sont des espaces culturels par excellence et là pour objectif de préserver l'art du conte. Cette caravane de conteurs entame son périple dès aujourd'hui. Elle fera escale dans plusieurs villes marocaines. Fès, Meknès, Rabat, Marrakech, Agadir, Laayoune et Dakhla, avant de rejoindre le poste frontalier d'El Guerguéret. Une aventure empreinte d'une forte charge symbolique et une forte motivation de patriotisme. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur l'Oula 21h. Excellente soirée, à demain.